السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة مات فيزيك زكريا. اليوم غادي نشوفوا لو كونترول نيميرو 3 دو ماتيماتيك لا بارتي 1 في لو سيمستر 1 بيان سور pour le niveau de la troisième année collège. Alors, la partie 1 fait l'exercice numéro 1. L'Edna calcule ABC un triangle tel que AB égale à 4, AC est égal à 4, racine de 3, et BC est égal à 8. La première question, montrer que le triangle ABC est rectangle. Deuxième question, calculer cosinus de l'angle ABC, sinus de ABC et tangente de ABC. Troisième question, soit le point H appartenant au segment BC, tel que la distance BH est égale à 5, la droite passant par H est perpendiculaire à la droite BC et coupe la droite AC au point K. Calculez HK. Alors là, غادي نشوفوا سؤال بسؤال وهكا غادي نعرفوا من الاحسن قبل ما تشوفوا لا سوليسيون معايا توقفوا لا فيديو وتحاولوا تخرجوا ليكزيرسيس اي ابري غادي تشوفوا لا سوليسيون بعد ليفور كتكون اللي بدلتوه كيعاونكم باش تحسنوا المستوى ديالكم. Alors, la première question, montrer que le triangle ABC est rectangle. Alors, montrant que le triangle ABC et rectangle. Alors, là, quand je vous attends, les mesures viennent les côtés de l'eau de l'état. Quand je vous neuf, il y a le côté le plus long. Si vous avez AB égale à 4, AB égale à 4 racine de 3 plus grand que AB, mais BC est égal à 8, il est le plus grand. Donc, le plus grand côté, voit BC. Donc, quand je vous le plus long côté, c'est BC, le côté BC. Donc, BC au carré, est égal à quoi? Est égal à 8 au carré, qui est égal à 64. Maintenant, on va déchauffer le carré dans les deux autres côtés. Le premier côté, voit AB au carré, qui est égal à 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 4, on dit 16. Je chauffe d'abord AC au carré. AC au carré qui est égal à 4 racine de 3. Index de au carré, c'est faux. Après, je vais dire le carré de la racine de 3, on va dire que le ralal. Parce que dire le tout au carré. Le tout, après, AC au carré, il y a AC quand même là. Qui est égal à 4, on a bien sûr quand dire 4 au carré que multiplier la racine de 3 au carré, comme je trouve déjà les puissances. Alors, qui est égal 4 au carré, ça fait 16. Ou la racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, 3 fois 6, 18. 3 fois 1, 3 et 1, 4, ça donne 48. Alors, il y a qui est bien, il a AB au carré plus AC au carré. AB au carré, il y a 16. Plus AC au carré, il y a 48. Qui est égal à 64. Qui est égal à 64, il y a BC au carré. Alors, il y a qui est bien, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, selon le théorème réciproque de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en... Alors là, il y a bien. BC au carré, l'hypoténuse au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ou l'hypoténuse BC, bien sûr, alors, on a un boulot. Le boulot est un rectangle H point.
هنا كنلاحظوا بان لي بوتينوس او كاري تيغال لي دو لا سوم ديال لو كاري لا سوم دي كاري دي دو زوتر كوتي. الوغ مثلا الا كان عندنا ان تريانغل ريكتانغل كوم سا لي بوتينوس ديالو هو هذا وهذا اللي قلنا حنا لي بوتينوس غادي يكون هو بي سي او كاري سيتادير ها بي ها سي. اذا ريكتانغل في لو كوتي اوبوزي مع لي بوتينوس اللي هو لو بوا ا. هذا الشيء باش غنقولوا هنايا. Donc, selon le théorème réciproque de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en au point A. Ou bien, qu'est-ce que vous avez AB au carré plus AC au carré, le A qui est deux fois, donc radical rectangle fait le A. Mais bien, donc on a vu la première question. D'abord, à une deuxième, nous avons la deuxième question. La deuxième question, Tigoulouna, calculer. Cos de ABC, sin de ABC et tangente de ABC. Alors, calcul de cosinus ABC, sin de ABC et tangente de ABC. Alors, commençons par le cosinus de ABC. Alors, on sait que le triangle ABC, il est rectangle, en A. Donc, ABC. Bien sûr, il est rectangle en A. Ou attends, on a les mesures. Quelque part, A à B, il y a 4. Ou A à C, il y a 4 racine 2. Ou attends, on a BC est égal à 8. Alors, on veut calculer le cosinus de ABC, qui est égal le cosinus de ABC. Le cosinus, c'est quoi? C'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent, voit AP, divisé par l'hypoténuse, les voit BC, qui est égal AB, c'est quoi? C'est 4. Divisé par l'hypoténuse, c'est 8. Alors, on divise par 4, ça reste 1. Et 8, on divise par 4, ça reste 2. Donc, on a simplifié, ça donne 1 demi. D'abord, à déchauffer le sinus. Sinus de A, B, C est égal. Alors, comme on a fait la définition, le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, AC, divisé par l'hypoténuse, le roi BC, est égal. AC, c'est 4 racines de 3, divisé par l'hypoténuse, le roi 8. Alors, on simplifie par 4, ça reste racine de 3, et 8 divisé par 4, ça reste 2. Racine de 3, c'est bien. On passe maintenant à calculer la tangente de ABC. Elle est égale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la définition, la propriété néa. La tangente de ABC, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, bien sûr, c'est AC, et le côté adjacent, c'est AB. Qui est égal. AC, c'est 4 racine de 3 sur, sur AB qui est égal à 4. On peut simplifier par le 4 et ça va nous donner racine de 3. Bien. Maintenant, ça nous reste la question numéro 3. Donc là, on peut avoir besoin de ces données-là pour le calcul. Par exemple, on va mettre ça ici, pourquoi pas. Le cosinus de ABC est égal à 4. Le sinus de ABC est égal à racine de 3 sur 2. Et la tangente de ABC est égale à la racine de 3. Voilà. Adlé donné l'artagina ou le chéhajal qu'aouhoum. Bien. Alors là, la troisième question. Soit le point H appartenant au segment BC, tel que BH égale à 5, la droite passant par H est perpendiculaire à la droite BC et coupe la droite AC au point K. Calculez HK. يعني خصنا نديرو واحد الشكل تقريبي باش نفهمو كيفاش نجاوبو على السؤال. اولا هنا توجور إليا إن غولاسيون
ou bien sûr donner la question numéro 1 et numéro 2. Donc déjà, nous avons un triangle rectangle, par exemple, voilà. Donc le triangle rectangle, il est rectangle en A. Voilà. Ou bien nous avons من A حتى B est égal à 4 ou من A حتى C égal à 4 racines de 3 ou ouais, BC est égal à 8. Supposons, adna AB ou là, AC ou là, adna, le triangle de adna. Adna, on va le alors, tu veux montrer, soit le point H appartenant au segment BC. Il y a le point H qui est intermis, le qita BC. D'accord? Bihaytu, anna min B tal H katsawi 5. Min B tal H katsawi 5. C'est-à-dire, on a la moitié, c'est 4. On a min la 8. Maintenant, on a ici posé, on a H. HBH est égal à 5. La droite passant par H, d'accord? Le moustaqim li kaydouz min H est perpendiculaire à la droite BC. Ou va être perpendiculaire mais à la droite BC, c'est-à-dire la droite A est perpendiculaire là, Maya. La droite qui passe par H est perpendiculaire A est perpendiculaire. Alors la droite qui passe par H est perpendiculaire à la droite BC. La droite passant par H est perpendiculaire à la droite BC et coupe la droite AC au point K. Elle coupe la droite, c'est-à-dire la droite AC, fin qu'elle coupe à faire le point là. Les asmito K. D'accord. K. Calculer la distance HK. La distance c'est-à-dire la distance il faut la calculer. Alors, je vais dire la question numéro 3. Calcul de H. Nous trouvons le mortaillette qui est à l'adna. Le mortaillette qui est à l'adna. Ou le haja à l'adna, le bêta H. من بيتا اش من هنا لهنا عطاونا 5 داكوغ وديجا حنا كنعرفو من بيتا سي سي 8 من هنا حتى لهنا سيتادير حتى بي سي 8 داكوغ و بيان سيغ عطاونا ا بي تيكالا 4 من ا حتى بي تيكالا 4 ومن ا حتى سي 4 غاسين دو 3 هنا 4 غاسين دو 3 من ا حتى س داكوغ الوغ شنو غادي نشوفو هنا اش كنلاحظو هنايا كنلاحظو هما بغاونا نحسبو هاد المسافة هنا فوالا هاد المسافة اللي هنا وعاطينا هاد لي ديستونس نقدرو نخدمو بهاد لونجل هاد لأن طونجونت ديال هاد لونجل شنو هو هو كا اش ديفيزي باغ الوغ سي لو كوتي اوبوزي ديفيزي باغ لو كوتي ادجاسون اللي هو من هنا لهنا نقدروا نلقاو هاد لا ديسونس هادي نقدروا نلقاوها هادي هاد لا ديسونس نقدروا نلقاوها لان هاد لا ديسونس شنو هي هي 8 حيد منها 5 كتبقى لك هنايا 3 هنا اون بو تروفي كو سي و دونك حنا الى عندنا هاد الى درنا التونجونت ديال هاد الزاويه هادي غادي نقولوا دون لو تريانغل ريكتانغل شنو هاد لو تريانغل ريكتانغل سي اش كا سي اش كا On a alors la tangente de l'angle HCK à quoi est égal? Est égal le côté opposé sur le côté adjacent. Bien sûr, on a l'hypoténuse, les hauts et contraintes, mais ça va être qu'il y a. Donc le côté opposé, vous voyez qu'on peut le voir, HK, divisé par le côté adjacent. Le côté adjacent, ou CH. Alors, puisque il y a H, elle appartient au segment BC,
دونك يمكن لينا نقولوا بأن دونك BH BHTC à quoi est égal à BH plus HC. Donc, nous avons un peu là, HC, min C tal H. Donc, BC est 8, qui est égal à BH, min B tal H, il y a 5, plus HC est un peu là. Donc, HC à quoi est égal à 8 moins 5. Donc, HC est égal à 8 moins 5 est égal à 3. Donc, bima anna adna HC est égal à 3, t'imkin lina nqoulou bi anna tangente dial ACK elle est égal HK, li kanqalbou aliha, sur CH, ou CH, il y a 3. Voilà. Or, had ACK, had l'angle hada, ra wa l'angle ACB, wa hadak l'angle ACB. Alors, moumkin nchoufo, bima anna hadi la relation, bqina hadi, c'est la relation A, had tangente HCK, ra hiya l'angle ACB. Donc, hadi nchoufo, aouteni dans le triangle. Dans le triangle ACB, dans le triangle ACB, la main d'Iroïde. Alors, je vais maintenant. Je vois l'angle ACB, je vois. Mkadina, je vois Zawiya ACB. Donc, à des boulots, la tangente d'Iroïde ACB, à quoi est égal? Est égal le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé voit AB ou le côté adjacent voit AC. D'accord? Donc, tangente dire ACB est égal AB, AB c'est 4 ou AC c'est quoi? AC c'est 4 racines de 3. Qui est égal, on simplifie par 4, ça reste 1 sur racine de 3. Bien sûr, quand on a le racine dénominateur, donc on doit multiplier par racine de 3, racine de 3 fois racine de 3, il y a racine de 3 au carré, donc ça fait racine de 3 fois, il y a 3. Ou le fond, on dit tout le monde, racine de 3. Donc, on a la relation tangente de ACB est égal à la racine de 3 sur 3. Donc, à dire à la paracom juge. Or, nous savons que l'angle ACP, c'est le même que l'angle HCK. C'est même HCK. L'angle ACK, ou l'angle ACB. Alors, quand vous le puisque l'angle HCK, voilà, est égal à l'autre angle, les voies ACB, alors tangente d'IL ACK est égale à tangente d'IL ACP. Or, tangente d'IL ACK, il y a HK sur 3. Ou tangente d'IL ACB, il y a racine de 3 sur 3. Alors, HK, quoi est égal? Donc, est égal à HK est égal à 3 que multiplie racine de 3 divisé par 3. On simplifie par 3, ça nous donne est égal à racine de 3. Et voilà, comme ça, on a trouvé la distance HK est égale à la racine carrée de 3. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. La deuxième vidéo va développer l'exercice 2 de le contrôle. Et à l'heure, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.